Hey, ça c'est les potos, c'est Tutur, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et on est parti aujourd'hui pour la suite du tour avec la Bora Hansgrohe. On est parti aujourd'hui, trois belles étapes au programme, j'aurais pu lancer avant, je sais pas pourquoi j'ai pas lancé avant. On est actuellement 6ème au classement général, hop voilà, il va se taire un petit peu. Aujourd'hui, trois étapes, Tomblaine, la super planche des belles filles avec l'arrivée sur la terre. Et oui les gars, ça c'est une putain d'étape de vallon. Dol, Lausanne pour la suite, bon, un peu moins intéressant comme étape. Il y aura surtout le final qui sera intéressant. Écoutez, Aigle Vlassov, on va tenter le tout pour le tout, peut-être avec Charman. Et enfin, Aigle, Châtel, les Portes du Soleil, ça va être une étape compliquée avec la fatigue, etc. Mais encore une arrivée au sommet, trois arrivées au sommet pour cet épisode. Et bien écoutez, on va pas perdre plus de temps et on va se trouver nous directement pour le départ vers la planche des belles filles. On est parti dans cette étape vers la planche des belles filles. Forme normale pour Vlassov, on n'a pas de bonne forme. Tout le monde est en mauvaise, hein, sauf Kelderman et Vlassov. Bon, écoutez, de toute façon, on va laisser tout le monde tranquille, on va se mettre une petite protection et on tentera peut-être le sprint intermédiaire avec Bennett. Mais ce sera tout, je pense qu'on se retrouvera directement dans la planche des belles filles. Et actuellement, nous sommes à 15 km de l'arrivée, un petit peu moins, 14,7 exactement. Et vous voyez que la Jumbo a son maillot. Alors oui, j'ai installé les petits codes bêta de la bêta du patch. Alors oui, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, il y aura des petits changements dans le gameplay, des petites nouveautés. Et notamment dans ces nouveautés, bah, il y a tout simplement le maillot Jumbo pour le Tour de France qui était sur PSM mais qui n'était pas sur le jeu TDF, il me semble. Donc voilà, enfin oui, c'est sûr qu'il n'était pas d'ailleurs. Voilà, alors je vous parle, la vidéo qui devait sortir aujourd'hui, donc là on est jeudi, n'est pas sortie, c'était la course du moment parce que ça s'est mal passé le post. Donc écoutez, normalement ça sort vendredi et vous aurez cette vidéo samedi, donc voilà, deux petites vidéos en deux jours. Voilà, pour l'instant je me suis fixé un rythme d'une vidéo une vidéo tous les deux jours, putain je bégaye d'ouf. Une vidéo tous les deux jours, je pense que c'est un bon rythme. C'est pour éviter de faire comme les autres années, hein, de me précipiter et au final de faire une semaine. Alors que là, tous les deux jours, voilà. Tous les deux jours, je me fais un petit tournage, je la poste pendant la nuit. Et puis voilà, c'est plutôt chill de faire comme ça. Alors, du coup, ouais, vas-y, Wilco, il va me protéger. Hein. De toute façon, les autres, ils sont complètement cuits. Hein. Les autres sont complètement cuits, tout le monde est en mauvaise forme. Donc on va dire à Wilco Kelderman de venir nous protéger. C'est Wout van Aert qui roule, c'est Wout van Aert qui roule. Échappé pour l'instant, 4 hommes, Viermo, Bonamour, Arndt et Vermeersch. Et ensuite, Riabouchenko, Mas Bonnet et Delaplace qui sont en contre. Ok, ok. Bon, du coup, c'est la première fois que je la joue. Hein. C'est la première fois que je la joue, cette super planche. De toute façon, toutes les étapes, c'est la première fois que je les joue actuellement. Les trois qu'on va faire ici. Puisque voilà, je découvre un peu le jeu avec vous. Et ça, c'est plutôt cool. Comme ça, on est vraiment dans de la découverte pour ce premier Tour de France. Premier tour qu'on doit finir un peu avant le Tour de France. Comme ça, après le Tour de France, on en attaquera un. Je pense que ce ne sera pas un par jour, mais bien un tous les trois jours. Une étape, on fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'on fera comme ça, à mon avis. Ce sera mieux pour moi. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc voilà, j'essaie de faire au plus pratique pour moi, bien sûr. Et vous retrouverez quand même toujours une vidéo tous les deux jours ou 2, 3 jours à côté. Je pense que comme ça, on pourrait être pas mal, les gars. En fait, on fait genre 1, 2, 3. Du coup, l'étape... Ah ouais, mais non. Ouais, je sais pas, on verra bien. Bah, en gros, ce sera, ouais. Je pense qu'on fera genre, imaginons, étape 3, il y aura une étape. Après, étape 4, il y aura la suite. Après, étape 6, il y aura une vidéo. Ah, j'explique super mal, j'explique super mal. Et je raconte ma vie, en plus. Ça va faire chier, je sais qui, ça va faire chier Styros, ça. Et ouais, parce qu'il se plaint que je raconte ma vie dans les vidéos. Mais je fais ce que je veux. Et ouais, mec. J'aime bien raconter ma life. Enfin bref, David Godu est à côté de nous. Ça monte fort pour l'instant à cause de Wout van Aert qui impose un rythme de folie. Nous, Kelderman, il a disparu totalement. J'ai le bleu. Ils sont en train de tuer leur rouge d'ailleurs au passage. Attaque de Roglic. Ah oui, d'accord. Et c'est van Aert qui roule? Non, van Aert s'est arrêté de rouler. Ok, mais Roglic qui sort très très tôt. Roglic qui sort très très tôt. Hein, à plus de 5 km de l'arrivée. Hein. Bah écoutez, hein, ils veulent pas rouler, moi je roule. Hein. Le vainqueur du jour marquera 10 points supplémentaires au classement du meilleur grimpeur, l'arrivée étant classée en première catégorie. J'ai pas d'équipier, de toute façon mes équipiers ils ont tous disparu là. Ah mais faites exprès, sur moi ça roule. Pourquoi ça roule pas sur Roglic et sur moi ça roule? Ça a aucun sens. Si ça va rouler sur Primoz maintenant que j'ai mis une belle attaque, ça roule sur Primoz, bah ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tac, tac, tac. Eh mais niveau bleu, je suis pas bien. Je suis pas si bien que ça niveau barre bleue. Ça se trouve que je vais me faire totalement avoir. Pogacar qui sort.
C'est vrai que là, je me suis un petit peu cru en course du moment où on est sûr d'être le meilleur en montagne. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, il y a du Roglic, il y a du Pogacar. C'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. Ça roule. C'est qui pour la Ineo? Ah, c'est pas l'Ineo, c'est un Alpecin, c'est Van Der Poel. C'est Van Der Poel qui est ici. D'accord, ben Mathieu en forme. En forme, Mathieu Van Der Poel apparemment. Ah, devant, ils sont injouables les deux là. Ils vont monter toute la bosse au sprint, c'est sûr. Ils vont monter toute la bosse au sprint, c'est sûr, à 1000%. Carapace qui est sorti avec Guillaume Martin devant. Ils ont plus de rouge. Ils ont plus de rouge. Ça peut nous, ça peut nous servir. Kelderman qui me bloque. Yates, c'est Adam ou Simon? C'est Simon. C'est Simon Yates. De pente moyenne et ses passages à plus de 20%. Le problème, c'est que niveau barre bleue, on tient pas à cette allure-là, non? Niveau barre bleue, on tient pas. J'aimerais bien attendre le petit plat pour prendre un peu de Moravito. Pogacar, il va finir maillot jaune, oui, c'est sûr. Ah, mais les mecs sont injouables. Mais Guillaume Martin, le niveau, monsieur. Mais Roglic et Pogacar sont en sprint depuis le pied. C'est affolant. Ça, bah, d'accord, ok. Bah, écoutez, je crois qu'on n'a pas tous les mêmes barres là, non? Ok, non, Godu s'est tué. Je crois que Godu s'est tué. Yates. Ah oui, Yates, monsieur. Une portion un peu moins pentue avant de s'attaquer au monsieur Adam Yates, quoi, là. Il y a même Vingegaard qui va nous dépasser. Vingegaard va être meilleur que nous. Allez, on va prendre notre ravito. On est sur des pentes un peu plus simples. On prend le ravito avec Alexander Vlasov. Romain Bardet est avec nous. Et voici l'homme de tête qui on a pu récupérer un petit peu. Là, on a pu récupérer un petit peu. Très pentu. Peut-être on en a gardé un peu trop en fait. Oh non, non, on est pile, mais juste devant. Roglic et Pogacar sont juste trop forts. Hein. Roglic et Pogacar sont juste trop forts. Hein. Même pour Carapace, il est juste trop fort. Ah ouais, là, ils sont injouables. Ils sont injouables. 100 mètres maintenant avant la ligne d'arrivée. Que ce dernier kilomètre est difficile. Et là, on est dans du 24%. On a pris du 24% quand même là. Ce qui est quand même énormissime. Mais le niveau de Vingegaard. Le niveau de Vingegaard qui va me battre. On va faire 5ème avec Vlasov. On se fait même battre par l'équipier de Roglic. Ok. Ouais, compliqué là. Et le classement. Ils avaient avec des formes simples en plus tous les trois. Vingegaard lui était en bonne forme, mais les trois avaient bel et bien qu'une forme simple. Je pense que Roglic et Pogacar vont juste être injouables. Au classement général, Pogacar est en tête devant Primoz Roglic, Van Der Poel toujours sur le podium, et nous on est quatrième. Hein. On est quatrième, on est bien en vrai, on est bien, parce que Carapace, il est quand même à 3 minutes de nous presque. Donc écoutez, au niveau du classement général, on est pas mal pour un potentiel podium. Mais bon, nous ce qu'on veut c'est quand même plus que le podium, Roglic est le meilleur grimpeur devant Pogacar, donc ce sera... qui va le porter, Van Aert est le meilleur sprinter. Pogacar le meilleur jeune sera porté par Hirschi. Guita n'est pas loin, dommage. Ok, ok. Et bien écoutez, les gars, étape 8, directement bonjour, entre Dole et Lausanne. Quoi, on est. Non, j'ai rien dit, je vais dire des conneries. Ok, ok. Bien écoutez, Dole-Lausanne, c'est parti. On va se trouver directement pendant la course. Peut-être qu'on fera partir un garde échappé, ça peut potentiellement aller au bout. Et 16 km de l'arrivée, ici on est avec Alexander Vlasov, Iguita. Étant échappé dans un groupe de 17 échappés. On a joué un petit peu les grimpeurs. Bon, on a pris 4 points, je crois. Bon, j'ai pas joué les deux premiers. J'ai joué le deuxième 4, pardon. Et j'ai fait deuxième et le quatrième 4 que j'ai ensuite gagné 2 minutes sur l'échappé. Ça peut potentiellement aller au bout. Et j'hésite à passer sur Sergio Higuita. J'hésite à passer quand même sur Sergio Higuita. Puisque bah, si ça va au bout, c'est tout bénef pour nous. Ça nous fait une victoire de plus. Écoutez, Vlasov, on l'aime bien. Mais voilà, on va pas jouer qu'avec Vlasov. Donc je me dis, pourquoi pas, ça serait cool d'aller dans une petite échappée, là. Devant Van der Horn, Arente Bisseger sont sortis. Et dans ce groupe, il y a du Virmo, il y a du Gilbert, il y a du Rehabushenko, je crois. Ouais, c'est ça, du Thomas de Rent. Enfin bref, il y a du beau monde. Mais je me dis, pourquoi pas tenter avec Sergio Higuita. Là, devin, ça va au bout. Devin, ça va totalement au bout, on est 17. C'est sûr, ça va collaborer. Donc écoutez, je pense qu'on a des chances que cet échappé aille au bout. Et on a des chances de gagner avec Higuita quand même. Faut faire partager un petit peu toute l'équipe. Ça rattaque à l'avant. Attention, à pas rater. Ce serait bête qu'on se fasse avoir. Hein. Dans un petit coup comme ça qui sort. Mais non, on va pas se faire avoir. Van der Hoorn est là. Et on mettra Vlasov de suivre les attaques. Même si bon, à mon avis, il va suivre n'importe qui. Une attaque du premier clampin venu. Il va y aller. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On a envie de jouer un petit peu avec d'autres coureurs, avec ce champion de Colombie, Sergio
Higuita en un maillot distinctif en plus, donc tant mieux, autant en profiter. Troisième 4 en haut, ça pourrait nous faire 2 points de plus au classement général, au classement de la montagne, pardon. Écoutez, ça serait tout bénef. Vlasov, hop, suive les attaques. On va le mettre en suive les attaques. Charman aussi, suive les attaques. Hop, on va mettre les deux en suive les attaques. Comme ça, s'il y a des mines, écoutez, ils y seront. Et là, en tout cas, on est bien parti dans ce peloton. Et on est très très bien avec notre Sergio Andrés Higuita. On va bientôt attaquer la boss d'ici, je crois, 2-3 km. 2 km, elle doit faire 4 bornes, cette boss, à peu près. Ça doit être quelque chose dans le style. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous attaque, Antonio, là? Je crois pas qu'il y ait d'autres FDJ. Non, il n'y a pas d'autres FDJ dans le peloton. Donc peut-être que c'était une attaque d'Antonio. Et tout à l'heure, quand je vous dis, je vais dire une bêtise, j'allais dire on arrive en Suisse. J'étais pas sûr. Mais si, on est bien en Suisse. Lausanne, c'est bien la Suisse. Je me disais quand même... J'étais pas sûr. J'avais pas envie de dire une grosse connerie. Parce que je me dis, ah, ça me la ressortir, celle-là. Mais non, il n'y a plus qu'une 30 par contre, il n'y a plus qu'une 30. La côte finale avec une avance confortable sur le peloton. Ok, bah, si c'est confortable alors c'est bon. Wow. Allez, on va mettre une mine dès le pied. En tente avec Sergio Higuita. Et on est bien sorti. Ici, c'est Guillermo derrière qui va devoir faire l'effort. Pour revenir sur nous avec Daniel Oss, son équipier. Est-ce qu'il y a deux? Putain, on a mis une belle mine là. On a mis une très belle attaque avec Sergio Higuita, mais il n'y a plus qu'une fin sur le peloton, attention. Puisqu'elle se revient très fort. Je vais me mettre en position tryhard. Ici, allez là, on rattaque. Des gros pourcentages. On va réaccélérer avec Higuita. Oh, Richie Porte qui est sorti en peu de temps avec Casper Asgreen. Allez, on remet. On en a mis une belle là. Là, on a mis une très belle attaque avec Sergio Higuita. Allez, on va prendre le ravito. Et derrière, c'est Woods. Ils sont bien en suivi des attaques. On va mettre donner le gel rouge à tout le monde. Et on va prendre notre gel bleu, non. Et on a mis 20 secondes. Oh non, mince, j'ai freiné. 20 secondes, mi-pente. Ils sont loin, les poursuivants. Si on tient comme ça, on gagne. À la Philippe qui attaquait derrière. Et là, on est très bien. On est tellement bien avec notre ami Sergio Higuita. En plus, on a tout notre rouge derrière. Ok, derrière, ça tient bien. Et on va le faire avec Higuita. Hein. On sera parti dès le pied, mais Sergio Higuita qui va venir s'imposer, je pense, aujourd'hui. On va pas parler trop vite non plus. Il reste 700 mètres actuellement. Derrière, c'est Alexis Virmo qui sort. Ah, Virmo qui aurait pu aller chercher une deuxième victoire sur le Tour de France. Mais ce sera pas pour maintenant. Et derrière, bam, derrière. Attaquez tous. Allez, et oui, ça va le faire, Higuita, Virmo. Il est trop loin, il est bien trop loin, Alexis Virmo. On va même pouvoir célébrer avec Sergio Higuita. Magnifique victoire de Sergio Higuita ici à Lausanne. Et ça fait plaisir. Est-ce que j'ai le temps de passer sur Vlasov? Il a plus de rouge. Ah oui, je crois qu'il s'est un peu trop arraché, Vlasov, là. Je crois qu'on l'a mis attaqué un peu trop tôt. On va prendre une bête cassure sur Roglic, là. Dommage. Alors Roglic et Pogacar qui sont juste devant. Et là, on va se prendre une petite cassure, là. Ouais, malheureusement, cassure. Dommage. Et les podiums, ici. Avec notre Sergio Higuita National. Qui vient gagner. Pogacar garde son maillot. Van Aert toujours. Mais sprinter, Roglic, meilleur grimpeur et Pogacar. Meilleur jeune. Des équipes qui se partagent les maillots, là. Ça va, les gars, ou quoi, là? Est-ce qu'on vous dérange? Je ne sais pas. Et on prend peut-être le maillot blanc, en passage. Et est-ce qu'il y a eu, du coup, la cassure? Bravo pour cette victoire. Ah ouais, on se les prend là. 15 secondes sur Roglic et Pogacar. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, ils sont loin devant nous. Au meilleur grimpeur, on prend 7 points avec notre Higuita. Est-ce qu'on a? On aura le maillot blanc, effectivement. On préfère le maillot de champion... Oh, Kelderman qui est tombé. On a vu, il avait le petit emoji de la chute, je n'avais pas fait attention. Ok, bon écoutez, on va bien voir ça en course. On est parti, Aigle, les portes du soleil. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. En vrai, je pense qu'on va refaire sortir Higuita. Ou peut-être on a des grimpeurs. Mais le final va être un peu plus excitant. Et 2 km de ce premier grimpeur avec une très belle échappée. Hein. On aperçoit là-bas le champion du monde, Julien Alaphilippe. On a également Benoît Cosnefroy, Virmo également. Au niveau des Français, on retrouve un peu les mêmes coureurs que hier. Il y a quand même du champion du monde dans l'échappée, donc c'est pas n'importe qui. Mais c'est vrai que dans le jeu, on le voit très peu à la Philippe cette année. Hein. Dans le jeu, on le voit très peu. Et on y va. Ok, s'il y a Cosnefroy dans la roue.
Allez, là, c'est tout plat. C'est tout plat, c'est tout plat, c'est tout plat. On va lancer à fond. On a lancé trop tôt. On a peut-être lancé un petit peu trop tôt. Avec Sergio Guita, mais non, on va passer en tête. Hein, on va passer en tête devant Benoît Cosnefroy. Et devant Julien Philippe et Virmo. Eh bien, écoutez, les droits français que j'ai cités tout à l'heure sont présents ici. En tête, pardon, je bégaye de ouf aujourd'hui, en tête de ce grimpeur. Et deuxième grimpeur ici, un deuxième grimpeur un petit peu plus compliqué celui-ci, un col de la Croix à 8 km à 7,5%. Alors, vous voyez que ça pète un peu dans l'échappée, hein. Il y a beaucoup de coureurs qui ont pété, Virmo, Cosnefroy, Alaphilippe qui est en train de craquer. Vous voyez que dans le peloton, ça a bien craqué aussi, hein. Ça a bien craqué dans le peloton. Hein. Ils sont plus que 40 coureurs, et si vous voyez, on est encore bien, on a 5 coureurs nous dedans. Donc écoutez, c'est plutôt cool, ça va lancer le sprint ici. On n'est plus que 4 dans ce groupe de tête. Bonamour, Fuglsang et Sanchez sont avec moi. Je pense qu'on est le favori. Là, on pourrait chercher ce grimpeur. Oh, peut-être que Bonamour, Fuglsang, c'est solide. C'est peut-être solide. Bonamour, très très costaud. Bonamour, très très costaud. Mais ouais. Les notes de Bonamour, incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, on va quand même passer en tête. Hein. 10 points et on va prendre la tête de ce classement. Voilà, effectivement. Le DS qui nous le dit. Et pendant ce temps-là, nous, on va rouler tranquillement et on va faire la descente. Il reste encore 60 km, c'est encore long. Et alors qu'on vient de tomber avec Alexander Vlasov, une chute massive ici, vous ne l'avez pas vu, puisque bah, je ne l'ai pas vu non plus. Ah, j'étais en simulation, mais du coup, voilà, on va revenir quand même sur le groupe Roglic. Mais voilà, effectivement, il y a beaucoup plus de chutes, hein. Il y a beaucoup plus de chutes que avant, tout simplement. Donc ouais, c'est... Ah, c'est quand même dangereux, hein. C'est quand même dangereux ça. Mais du coup, on est en vert, on a de la chance. Mais on perd un petit peu de vitesse. Hein. Vous voyez qu'on peut pas sprinter à fond. Et l'échappée terminée d'ici quelques secondes. C'est fini ici pour Franck Bonamour, qui était tout seul en tête. Et c'est Wout van Aert, hein, qui a ramené tout le monde. C'est désormais Sepp Kuss qui roule. On est plus que 44 dans ce groupe de tête. On est dans le pas de Morgin, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais vous voyez que ça roule très très fort. Hein. Ça roule très très fort. Nous, on a Higuita qu'on a repris qui va venir nous protéger maintenant. Parce que les autres coureurs vont exploser. Hein. Conrad qui a explosé avec qui? Avec Simon Yates. Oh oui, Simon Yates qui pète très tôt. Effectivement, Yates qui explose très très vite ici. Mais nous, on est pas mal. Hein. Nous, ça va. On se tient avec Vlasov pour l'instant. Pogacar, Higuita sont présents ici. Roglic doit être pas mal avec son mauvais de meilleur grimpeur. Et là, c'est Sepp Kuss, hein, c'est Sepp Kuss, hein, ouais, c'est ça. Sepp Kuss qui sort tout seul, même. Hein. Sepp Kuss qui sort tout seul, ici. Bon, Richie, attention à ne pas nous bloquer. On passe entre Richie et Rada. Il n'y a plus personne pour rouler. Si c'est Vingegaard qui va venir rouler, c'est effectivement Jonas Vingegaard. On n'est toujours pas à moins de 5 km du sommet, hein, donc attention à ne pas trop en mettre avec Vlasov non plus. À ne pas se cramer tout seul, ce serait un petit peu bête. Et on n'est plus que 24 dans ce groupe. Landa qui a craqué déjà. Oui, d'accord, ça craque très très vite. Hein. Richie porte, ça on le savait. Higuita, oui, mais on veut lui donner son petit gel bleu. C'est bon, j'ai bien donné le bleu, je crois que j'avais donné le rouge. Godu qui explose, oulalalala, David Godu, 22e général, qui explose déjà. Très tôt pour David Godu. Et Vingegaard, il a pas envie de rouler, hein. Vingegaard, il veut pas rouler. Hein. Vingegaard, il est comme ça. Bah écoutez, on va y aller, hein. on va accélérer un petit peu, nous. Hein. Nous, on va accélérer un petit peu, hein. Écoutez, c'est pas grave, ça veut pas rouler, bah nous, on y va. On va faire casser quelques petits équipiers là qui font les fous. Il n'y a pas que Godu qui doit craquer. Voilà, Mass, il y va aussi. Allez, les gars, là. Faut que ça pète. Là. Faut que ça pète de l'arrière. Voilà, on n'est plus que 8. Parfait, ça. Parfait. Guillaume Martin, le niveau. Mais attendez, je rêve où il y a 3 Cofidis. Mais que font Errata et Izaguirre encore ici? Mais c'est quoi, Cofidis, là, c'est Ineos? Et il n'y a pas Roglic? Non, Roglic il est derrière, Roglic il se cache derrière là. Allez, Guita c'est fini. Ouais, Pogacar, bon, allez, vas-y. Vas-y mon grand, régale-toi. Il est injouable, hein. Il est injouable concrètement Pogacar. Mais on va attendre de revenir sur des pentes un petit peu plus plates. Pour prendre maintenant notre ravito bleu. Hein. Voilà, on va prendre notre ravito bleu. Ça serait bien que ça roule un petit peu avec moi, quoi. Ok, Bardet il roule. Roglic est revenu. Carapace, O'Connor, on retrouve un petit peu ouais, les outsiders. Alors, Roglic est un leader, mais après c'est un peu le groupe des outsiders. Hein. Carapace, Bardet, Vlasov. Et O'Connor qui craque, hein. O'Connor qui craque. Il ne peut plus tenir, Ben O'Connor. On se retrouve donc à 4 contre 1 face à Pogacar. Mais Pogacar va nous battre, c'est sûr. C'est sûr que Pogacar va nous fumer
Higuita, il a bien tenu, Higuita. Hein. Higuita, il aura bien tenu. Pino qui a explosé aussi. Et Godu est à plus de 2 minutes 20. Là, ça a explosé dans tous les sens. Hein. D'habitude, Godu, dans les simulations, il est plutôt pas mal. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Et attention, Brandt, faut pas craquer. Hein. Faut essayer de passer ce sommet. Hein. Là, faudrait vraiment essayer de passer ce sommet. Oh, Bardet qui fait le trou sur Roglic. Et nous, on doit boucher le trou. Carapace a réussi à le boucher. Non. On va se faire avoir comme ça, vraiment. La tête de course va bientôt basculer. Et Carapace qui craque. La descente vers Châtel. Rappelons que l'arrivée sera jugée Carapace qui craque. De cette commune après une Carapace qui peut pas nous suivre. Mais non, on peut pas suivre Roglic non plus. Ah, c'est terrible. Ouais, Pogacar devant qui va basculer. Seul en tête. Le début de la descente pour l'homme de tête. Alors Roglic, du coup, il va reprendre son petit maillot à poids, ou peut-être même Poga. On a assez de points là. Ah non, c'est bon. On regarde. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Et là, il va falloir récupérer dans cette descente. Ouais, là, on est obligé de se mettre en aéro. On est obligé de se mettre en aéro ici avec Vlasov. Hein. Allez, faut qu'on récupère un maximum. Même si on n'est pas très très rapide. Ok, on essaie de bien prendre les virages. On essaie de bien prendre les virages. Pourquoi pas revenir sur Roglic grâce à la descente. Ça pourrait être cool de revenir sur Roglic grâce à la descente là. Roglic, c'est pas le meilleur descendeur du peloton maintenant, on le sait. Ouais, mais de toute façon, on va rester en aéro. Hein. On va pas tenter le diable là. Ah, si, là on est obligé de rouler, on n'a pas le choix de rouler. Roglic qui est au sprint hein, dans la descente. Hein. Peut-être que c'est bon pour nous, peut-être qu'il va pas récupérer Roglic. Hein. Faut voir le bien. Faut voir les points positifs, mais peut-être que Roglic il va pas pouvoir récupérer en sprintant à fond. Il va peut-être le payer par la suite. Hein. Carapace est à 30 secondes derrière nous. De sortir de Châtel. Maintenant, ça va monter jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah, mais son avance est faible. La victoire va se jouer dans un mouchoir de poche. On a pris quand même tarif dans la descente là. Hein. Mais là, Roglic il monte au sprint. Hein. Bon, ça monte pas encore, mais bon. Et Carapace derrière, tout le monde est au sprint. Hein. Tout le monde est cuit. Allez, 3 km 400. Ouais, espérons que Roglic paye ses efforts et qu'on arrive à le reprendre. Mais là, Pogacar, je pense qu'il est injouable. Hein. Pogacar, je pense qu'il est juste injouable, tout simplement. Carapace qui aurait dû attendre Bardet, Ado s'arrêtait beaucoup mieux. Mais je sais pas si la note descente influe vraiment là. Je pense pas que la note descente joue vraiment, parce qu'en soi on voit rarement d'écart entre un mec bon en descente et un mec mauvais. Sur TDF on va pas le voir hein, entre IA. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que je pense en tout cas. Allez Vlasov. On a bien réussi à récupérer dans la descente. On va peut-être revenir sur Primoz Roglic. On va peut-être revenir sur Roglic. Qui paye un petit peu ses efforts, j'ai l'impression. Là, Roglic qui a arrêté là. Il a arrêté Primoz Roglic là. On peut pas voir la bosse, non. Malheureusement, on peut pas voir la bosse. Carapace Bardet, on leur a mis tarif aussi. Est-ce que Roglic n'est peut-être pas bien hein? Roglic n'est peut-être pas bien. Ou alors il nous attendait. Je sais pas si bluff ou quoi, Roglic. Mais non, en tout cas, on peut monter un peu fort. Ouais, non, il bluffe pas. Hein. Enfin, si, bluffé, pardon, je veux dire. Il bluffait, il était pas si mal que ça, Primoz Roglic. Là, il va venir nous faire le sprint, même, c'est sûr. Il va venir nous faire le sprint, Primoz. Allez, hop, on prend le ravito rouge. Et Roglic va-t-il réussir à nous passer? Non, on vient faire deuxième, devant Primoz Roglic. 30 secondes de Pogacar, on a quand même limité la casse. Et victoire hein, de Tadej Pogacar. Étonnant, Pogacar, maillot jaune, étonnant. Van Aert, meilleur sprinter, c'est ce qui nous étonne. Higuita, meilleur grimpeur, et enfin Pogacar pour la troisième fois sur le podium en tant que meilleur jeune de ce Tour de France. Eh bien écoutez, c'est tout pour l'épisode du jour puisqu'on a fait nos trois étapes. Et en plus on met 4 secondes, on met 4 secondes à Roglic en finale quand même. Higuita qui vient chercher la 10ème place, c'est Kelderman qui est malade en plus d'être tombé. Pas de chance du côté de Kelderman, nous ça va, je crois que ça c'est plus, il n'y a plus l'icône, donc tant mieux. Et au classement général, nous sommes 3ème, on gagne une petite place, c'est Van Der Poel qui perd, je crois, toutes ses places. Van Der Poel qui a dû exploser, ce qui est normal, effectivement, il perd 42 places. On a 4 minutes d'avance sur Carapace et on a 1 minute de retard sur Roglic. Déjà, les écarts qui sont très très bien faits, Higuita 10ème, solide. Van Aert encore en top 6, hein. Meilleur grimpeur, c'est Higuita, un petit point d'avance sur Roglic. Mais si Roglic faisait 2... Ah mais non, c'était pas un grimpeur, c'est vrai. Au classement par points, on est 3ème avec Vlasov. Au classement des jeunes, on est 2ème avec Higuita. Et par équipe, nous sommes 3ème. On est dans le classement également des combatifs. Et bien écoutez, on se dit nous à la prochaine fois, après l'étape de repos. Megève, Granon, Alpe d'Huez, ça va être l'épisode le plus fou.
Écoutez, je vous dis rendez-vous dans quelques jours, et puis je vous dis portez-vous bien. Salut tout le monde, bye bye.